Et c'est une vraie star qui était à Strasbourg aujourd'hui, l'artiste Peter Claessens, pour le vernissage de son exposition. C'est ce soir dans une galerie du centre-ville. Ses œuvres sont visibles dans plus de 80 musées d'art contemporain à travers le monde. Pionnier de la figuration narrative, Peter Claessens est un artiste engagé et révolté. Ses créations évoquent la société industrielle et la société de consommation. Un travail exposé dès ce soir dans la galerie strasbourgeoise L'Estampe, avec une vingtaine de peintures. Les explications de l'artiste. Il s'agit là d'œuvres relativement récentes ou tout à fait récentes, c'est-à-dire des 2 dernières années, disons, grosso modo, liées à une thématique spécifique qui m'obsède depuis quelques années, c'est-à-dire Lost Landscape, c'est-à-dire les paysages, nos paysages détruits par l'industrialisation, par la pollution, etc., par l'urbanisme notamment aussi. Donc, cette thématique est quelque chose d'obsédant en permanence, pas seulement pour moi en tant qu'artiste, mais aussi pour tous ceux avec lesquels je vis. J'enregistre d'une façon sensible, avec les moyens qui m'appartiennent, c'est-à-dire la peinture, le collage, l'assemblage, l'état à la fois des individus qui habitent notre société et aussi mon propre état dans cette société. Strasbourg mérite bien la visite éphémère d'un artiste contemporain. Il faut le marquer, la première apparition d'une façon plus globale de mon travail actuel, parce que je crois que c'est la première exposition personnelle que je fais ici dans ce beau pays, dans cette très très belle ville. Voilà. Voilà, magnifique, et c'est à voir à la galerie L'Estampe à Strasbourg.